Yes, salut les amis, c'est Farming Survivor. Comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve encore de nouveau sur BMMG Drive. Ce jeu il me fait complètement délirer, un truc de ouf. Donc aujourd'hui on va changer, à la place de prendre des scénarios, on va faire la campagne et on va faire Senseless Destruction. Il y a pas mal de sauts, il faut... J'ai vu quelques vidéos, ça a l'air assez terrible. Donc on va se lancer là-dessus, tout simplement. On se retrouve après le chargement. Allez, c'est parti, on va se lancer BMMG Drive, on regarde Senseless Destruction. Je sais même pas ce que ça veut dire à part Destruction, Destruction. Cliff descente. Bah écoutez, on va essayer de destroy tout simplement ce véhicule là. Bon, ça devrait pas être trop compliqué pour le Savoyard de détruire un véhicule. On va voir ce que ça donne, on va reculer un petit peu. On va se lancer bien taquet, voilà. Et on va tout simplement sauter. Hop, tout va bien, welcome, bonjour, la falaise. Et est-ce qu'on va attraper le coin? Voilà, belle déformation de véhicule, un joli, une jolie perte de roue, le nez est complètement écrasé, l'arrière va prendre maintenant, voilà, le capot, le haillon arrière s'est complètement écrasé. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait pour récupérer les points, puisqu'à la fin, en fait, il y a un cumul global des points, et si on arrive à faire ce qu'il faut, on aura droit à la médaille. Vous savez, cette espèce de pommeau de vitesse. Qu'est-ce que ça dit? On a en damage 145 sur 300 et on a en altitude 634 sur 700. Ce qu'on peut faire, c'est de le réessayer parce qu'on a fait que deuxième sur... enfin, deuxième machin, j'ai rien compris ce que c'était. Bref, on va se relancer pour voir si on arrive à faire mieux. Si on n'arrive pas à faire mieux, bah, on passe au suivant, puisque vous allez voir, il y a pas mal de trucs différents. Donc, ça serait pas mal que... Voilà, ça me plaît bien, on va simplement faire comme ça, parce que ça je sais pas pourquoi ça me casse les couilles, on va se mettre sur le côté, je pense qu'au niveau des dommages, ouais on devrait être un peu mieux, belle roulade sur le côté, voilà, note des japonais 9,7, note des américains 9,8, note du français 9,9, et l'italien nous met jusqu'à 10, regardez ça, on dirait un papillon avec les portes, c'est la classe, c'est tout pété, c'est du savoyard, c'est parfait. Alors on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on a fait mieux? 300 au niveau des damages et altitude 629 sur 700, on a fait premier, on fait next tout simplement. On va voir ce qu'on doit faire, pour ne rien vous cacher, j'ai regardé qu'il y a un autre moment, là je savais pour le premier qu'il fallait sauter de la falaise. Bref, encore une fois, chargement et on se retrouve tout de suite après. Allez, on se retrouve maintenant, c'est la drag race. Alors on va faire une course avec une espèce de stone burst, je sais pas trop quoi, et le mec à côté il a une voiture à la Dome de Fast and Furious. Ok, il faut aller jusque là-bas, le premier qui est à gagner, on va tout simplement se mettre là. Démarrage plutôt pas mal, par contre s'il a une voiture drag race, c'est vrai qu'au niveau du démarrage il va être bien. Putain, il a déjà pris feu, qu'est-ce qui se passe? Oh là, il est en train de cramer, il a pété le moteur. Pousse-toi mon cono, laisse-moi passer, faut que je sois le premier. Attention, petit dé... Oh là, ça a tout pété derrière, je sais pas ce qui se passe. Je suis parti comme une fusée, hop, on a passé la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouh, je sens qu'on va y laisser l'auto. Ouais, on va y laisser l'auto. Allez, bah c'est tout pété. Bravo. Bravo mon cono. 930 sur 1000. Eh bah écoutez, je crois qu'on pourra bien faire mieux. On a une première position. On fait next. On se retrouve tout de suite après le chargement. Alors, on est là au numéro 3 de Bridge. Le Bridge. Ah oui, c'est vrai qu'on doit traverser avec cette vieille américaine le pont. Aller le plus loin possible, j'ai l'impression. Et puis on verra bien sans tomber. Bah écoutez, ça devrait pas être trop compliqué, j'ai envie de dire. Bah, oh d'accord, ça attaque très fort. Alors le pont a tendance à bien tanguer. On va essayer d'équilibrer ça avec la direction de l'auto. Tout va bien, on est propre. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça... Oh là, on a une espèce de vague là. Ouh, pont, tu aussi. Oh putain, si j'arrive jusqu'au bout. Oh là 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 là. Ouh, je sais... Eh, mais fais pas chier. Ah putain, le pont a pété. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont a pété, il y a un temps imparti, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh là 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 là, dans la vidéo que j'avais vue, le mec il est arrivé au fond, mais 942 sur 1000, oh bon on va se laisser, on a le premier pommeau, on y va. Dans la vidéo que j'avais vue, c'était un petit peu bizarre, il arrivait au bout, il se prenait les poteaux, bref on se... Allez, numéro 4, Cliff Ram, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Plus Destroy 500, plus 500 Enzis, ok bon faut tout péter, bon ça devrait pas être trop compliqué pour ma part. Allez, on va prendre de l'élan, on y va, on se lance, à la limite on pourrait presque prendre un petit peu plus d'élan, reculer, etc. On va lui déglinguer l'auto à celui-là. Hop, allez, c'est le véhicule avec lequel on s'est amusé à faire un beau jump dans la vidéo précédente. On a envoyé bouler tout le monde et c'est parti, Banzai, on saute, laisse-y faire. Voyons voir ce que ça va donner en termes de dommages. Celui-ci il a l'air de bien prendre. Voilà, c'est beau, c'est propre. Regardez ça, encore une fois, les notes artistiques vont être magnifiques. Notre technique peut-être pas énorme. Allez, mets-toi sur le dos, faut que ça écrase un petit peu le véhicule là. Ça serait plutôt pas mal et à mon avis en termes de dommages on va être, on devrait être champion. Voilà, ça c'est bien, ça store un petit peu, on froisse de la tôle. C'est vraiment what the fuck ce jeu, c'est vraiment comme diraient les jeunes, what the fuck, WTF. 305 sur 1000,
Oh là la merde. Alors on recommence là, parce que c'est pas possible. Allez, on se retrouve après le chargement, c'est reparti. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait try next ou je sais pas quoi. Oh bah, c'est pas bien barré, hein. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'y vois rien. J'ai une caméra toute chelou là. Attends, mets-moi une caméra haute que ça. Bon, j'ai pris, je suis parti à fond la caisse. Ok, petit jump qui va bien. On est bon, on laisse filer. J'ai pas le choix de la caméra, je peux plus la changer. Encore une fois, petit jump qui va être pas mal. Regardez ça si c'est pas Thibaut. On va arracher la moitié du mur, casser l'auto, faire tomber quelques briques. En fait, c'est le chamboule tout ce jeu là. 214 sur 300, 700 sur 700. Ouais, bah, je crois qu'on pourra pas faire mieux. On va pas recommencer. On fait next. Eh ouais, la fois précédente, si j'ai mis next à la place de retry comme un con, c'est pas bien grave. Allez, numéro 6, le canon. Ah bah d'accord, ça y est, on va commencer à contrôler le canon avec L, j'ai rien compris. Et il faut faire fire avec A, ok. Bon, bah écoute, fais voir comment on fait. Et on doit déglinguer la bagnole qui est là-bas. Alors, est-ce que je peux... Voilà, ok, comme ça... Allez, hop, A. Oula, houhou, raté. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, vas-y, c'est bon, fait. Là, bah ouais, effectivement, là, on est beaucoup trop haut. Bah, en même temps, on savait pas trop comment viser. Bon, ok, c'est parti. On va baisser le tir, alors, tout simplement, puisque... On était beaucoup trop haut, on va rester en bas comme ça, si je tire là... Ah, rebond. Ah, le con. On se croira à la pétanque, c'est pas possible, c'est raté. Bon, bah retry encore une fois, on va voir. Allez, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on était trop bas, donc on va légèrement monter, pas de trop. Voilà, comment on faisait déjà pour monter, tac, hop, pas de trop, ici. Ah, oh, bah yo, on va pas y arriver, c'est un truc de fou. Raté encore une fois. Et j'espère qu'on a 50 essais parce que là c'est mal barré pour réussir à péter la voiture avec notre canon là quand même. Hein. Là on était trop bas. Le truc c'est qu'il veut pas bien descendre. Voilà. Oh, encore une fois raté. Oh le boulet, le boulet. On va mettre 8 jours à attraper cette putain de caisse de merde. Allez vas-y. Monte pas trop, descend. Là, là on est bien. Non, trop bas, non, c'est pas possible. Je sais pas si je vais y arriver, vraiment. Il faut vraiment que je la touche le gars, il avait réussi en 2 essais, il avait touché 2 fois. Hein. Je suis vraiment une bite, hein. Un truc de ouf. Hein. Allez hop, tape comme ça. Non, ça va pas, il faut vraiment monter un petit peu. Là j'ai essayé sans bouger, comme ça je voulais voir un petit peu ce qu'il en était. Ouais, fail. Alors j'espère qu'on perd pas des points à chaque fois qu'on essaye, parce que sinon c'est laisse tomber. Alors hop, voilà, là on est là bien. Là, voilà, plier l'auto, 20 essais après, c'est bon. On a failli la couper en deux quand même l'auto. J'aurais pas aimé être à la place du conducteur parce que sinon je me serais retrouvé à la place du passager. 1000 sur 1000 quand même, voilà. Et il a fallu un petit moment. Allez, temps de chargement, comme d'habitude, on se retrouve après avec ces... Allez, 7, c'est le crawler, on va essayer de monter dans les chemins. Et pourquoi j'ai une caméra un peu chelou à chaque fois là? Bon, bah écoutez, on va essayer de suivre. Hein. Hop, tout va bien, c'est bon. Ah ouais, d'accord. On voit, mais rien du tout quoi. Ok, bon, on va faire comme on peut. Laisse-le monter mon cono. On fait ça... Oh putain, vu de loin. Oh, il monte bien celui-là. Hein. Pas plus la Jeep de la dernière fois, là. Et là, on y voit quelque chose. On y voit rien. On y voit rien du tout. Voilà, ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que ça dit? On va où? Et on va où? On file tout droit là-bas. Eh ben, dis donc, on a la caméra. Mais alors, on est à complètement rebrawl, là, là. Impeccable. Qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai pété l'essieu à l'arrière. Regardez, je suis toute traviole. Bon, on a l'air d'être pas mal. 1000 sur 1000 et 451 sur 500. Je crois qu'on pourra pas faire mieux, c'est fait, on passe au suivant, ça marche. Allez, oh la police, attention. Allez, numéro 8, le downhill avec le camion. Je crois qu'il suffit de descendre, on a 20 secondes, il faut passer dans le trou. Uneven surface, et si on va le plus loin possible, ok, bon. Bah écoutez, on va y essayer, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix, j'accélère à fond, on y va, on se lance hein, directement. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur, j'ai envie de dire. Alors par contre, ça prend... Pourquoi il va pas plus vite, ce con? Ok, d'accord. Alors après, on a une caméra comme ça. Normalement, ça va tourner légèrement à droite. Donc on va tenter de suivre, hop, le chemin. Oula, oula, c'est mal barré là. Oula, c'est mal barré là. On a tourné un petit peu trop. On finit sur le dos. C'est la technique de la tortue. Tout va bien. Bonjour, messieurs, dames. Ça devrait se passer. Non, c'était pas terrible. Hein. Mais par contre, la caméra tourne automatiquement. Donc c'est pas évident de savoir où ça va. En même temps, c'était le premier essai, on va voir si on peut faire mieux. 21 sur 300 en termes de damage. Et en distance, on est bon. Ok, bon, bah on fait retry. On va se faire niquer cette fois-ci. On recommence un nouvel essai et on va voir si on peut faire mieux sur celui-ci. On va se reculer. On va essayer de voir au niveau de la caméra. On dit que le commoteur en a déjà pris un petit peu. Voilà, ok. Donc là, la caméra s'est retournée. On l'a dans l'os. On va essayer de tourner, mais pas trop. Voilà, qu'est-ce que ça dit là? Eh là on est pas mal là. Là on est pas mal là. Là on est pas mal là.
Tourne-y, voir, en distance on va être top. Par contre, en termes de dommages, je pense que ça va pas être énorme. Je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe. Ok, on a passé ça. Par contre, on va complètement se planter là-haut. Voilà, regarde-y faire. Ok, bon, pas terrible en termes de dommages, je pense. Mais en distance, on est au top. Dommage, 1 sur 300. 2, allez, on essaye de voir si on peut carrément retourner le camion. Ça va être, à mon avis, on va essayer de faire un truc différent. C'est qu'on va directement se prendre le trou là. Ouais, vas-y, vas-y, fais pas chier. Et on va voir si, est-ce qu'on peut, ouais, je pense qu'on va essayer de carrément de prendre le truc de travers, là. Avec un peu de chat, on va être pas mal. Par contre, s'il passe pas les vitesses, ce con, ça va pas être terrible. Regardez, on va faire un truc ça. Voilà, on va essayer de prendre comme ça. Tac, et on va essayer de descendre. Oh, bah, ce con, il revient sur le... je voulais qu'il... voilà, il revient, ce con, sur le dos, sur le ventre. Ouais, voilà, ça, c'est bon. Voilà, moteur explosé, on a carrément perdu tout le capot, il n'y a plus rien. Eh, on devrait être pas mal, en termes de distance un peu moins bien, mais en termes de dommages ça peut être pas mal. Après je sais pas si c'est mieux d'avoir les points de distance et pas les points de dommages. En même temps ça peut être aussi une solution. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça fait? Allez dites-moi 780, 80, bon écoute on va aller, ouais bon c'est pas grave, allez on va faire next. Et je crois que c'est la fin de toute façon, on attend le temps de chargement, il y en a peut-être un autre, on va... Allez 9, encore un jump, on est avec la police, il y en a encore un, je sais pas, je pensais que c'était fini après le camion, mais a priori, bah c'est pas le cas, donc bah, écoutez, plein gaz, on est parti, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. On n'a pas les gyrophares, je pense que si on fait un deuxième test, on aura les gyrophares, allez hop, voilà, et normalement il faut aller percuter une auto. Voilà, normalement je crois qu'il faut atterrir sur l'auto, mais je crois que là c'est raté. Là je crois que c'est raté, on a été beaucoup trop loin. Damage 0 sur 300 et en accuracy, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc on va essayer de simplement de faire retry et d'aller un petit peu moins vite parce que normalement c'est derrière le jump il y a une... voilà, je vous ai dit si on recommençait on a les gyrophares. Il y a une voiture juste derrière. Alors le mec avait bien réussi son coup là. En même temps là la caméra... Hop, qu'est-ce que ça dit? Ah, raté, dans le cul. Oh putain, je l'ai raté. Ah là là, quelle vulgarité. Ah oui, c'est vrai, la vulgarité, autant pour moi. Oh, autant pour moi. Accuracy, 671 damage. Ok, allez, on va essayer une dernière fois. Et puis on verra bien ce que ça donne, je pense que c'est la fin. On était légèrement décalé. Et en termes de vitesse, on était plutôt pas mal. Juste couper un petit peu plus après ce que j'avais fait. Voilà, tac, on va couper. On va remettre un petit coup de gaz, un petit coup de gaz. Là, on a l'air pas mal en termes de distance. Ça a l'air cool. Ah, juste derrière, c'est ballot. C'est ballot. Bon, bah écoutez, malheureusement, j'ai pas le temps d'aller plus loin et de faire différents essais. On voit ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y en a encore pour l'instant. Allez, numéro 10, wall jump, ça ne s'arrête jamais. On a une très très belle caisse là. C'est plutôt pas dégueulasse comme auto. Ça fait un joli bruit. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je ne sais pas. Je vais tout droit, je fonce. Je vais péter un mur, ça c'est sûr. Voilà, tout va bien. Et ça a l'air d'être pas trop mal. On pourrait aller un peu moins vite et taper un peu plus bas. Je pense que ça pourrait le faire aussi. Qu'est-ce que ça dit en termes de points? 574 sur 800, sur 600 et 200 sur... Ouais, on va pas faire plus. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux. Allez, on fait next et on est encore sur l'écran de chargement. C'est un petit peu long ces chargements. Allez, c'est la highway numéro 11, 11. On a une drag race, une drag car avec carrément... Ah oui, c'est bon, t'inquiète pas. Laisse aller mon cono, accélère comme un bourrin. Grosse roue à l'arrière, toute petite roue à l'avant. Ah oui, ça part plein dessus. J'étais obligé de relâcher. Ça n'a aucune adhérence sur le train avant. Je sais pas ce qu'il faut faire, je fonce. Je fonce, ah, voilà. On appelle ça la torpille en Savoie, hein. J'ai pris que la moitié de la voiture pour défoncer la remorque. À mon avis, c'est plutôt pas trop mal fait, parce que si j'avais pris en plein, je pense que je serais passé par-dessus. J'ai carrément emmené le revêtement, la couverture de la remorque. Regardez ça, et la voiture a l'air toute... Merde, you're crashing to the trailer. Ok, donc ça veut dire qu'il faut passer par-dessus. Ok, bon bah écoute, je vais tenter de passer par-dessus, puisque là on a fail. C'est pas qu'on a pas bien réussi, c'est qu'on a fail complet. Et à chaque fois qu'il passe les rapports, le mec. Allez, on est pas mal. Maintenant qu'on sait un peu près ce qu'il faut faire. Ici, à la rampe, la rampe. Hop, ça passe par-dessus. On est ok, on s'envole. Yeah man, regarde ça. Et on se fait encore un petit... Ah, une petite tortue, voilà, tout va bien. Oh, yeah. Regardez ça, il n'y a plus complètement plus d'avant. Complètement déchiqueté l'auto sur le caillou. Le caillou a pas bougé, la voiture a complètement explosé.
Normalement c'est bon là, qu'est-ce que ça dit? Success, 867 sur 1000, ok, et c'est le finish. Alors qu'est-ce que ça dit? Eh ben j'ai réussi a priori, incroyable mais vrai. Eh ben non, j'ai pas réussi, j'ai fait 9661 sur 11600. Bon, bah ben, je sais pas. Il y en a 2-3 où j'ai pas été terrible, mais bon, j'ai a priori c'est success. Je pensais qu'il fallait dépasser 11600, mais a priori c'est pas le cas. C'est le nombre de points maximum qu'il fallait avoir. Eh ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé. On se retrouve une très prochainement pour, pourquoi pas, une nouvelle vidéo sur BMMG Drive. C'est des vidéos qui sont complètement what the fuck et on s'amuse à détruire de la caisse. Ciao!